Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix témoigne de ta grâce, outre le cœur du Père, il nous ouvre la voie. Confiant, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Nous reconnaissons l'œuvre de la croix, l'œuvre de ton sang versé pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que nous pouvons nous approcher librement. Et parce que tu as donné ta vie, Seigneur, en retour, nous voulons aussi te dire oui. Oui, nous voulons que nos vies soient entre tes mains. Nous voulons accomplir
les désirs du cœur de ton Père. De la même manière que toi, tu as toujours cherché à faire la volonté de ton Père. Dispose nos cœurs à accomplir ta volonté, à dire oui à ton plan, à dire oui à ce que tu veux semer dans nos cœurs, afin que ce que tu as fait pour nous il y a près de 2000 ans ait un sens aussi pour les hommes et les femmes aujourd'hui qui ne te connaissent pas et qui cherchent dans toutes les directions comment trouver un sens à leur vie. Seigneur, nous voulons considérer le prix que tu as payé, ce prix élevé. Ce soir, nous savons que c'est seulement par ta grâce, seulement par ta grâce, que nous pouvons nous tenir, mais aussi nous lever et aller, et laisser ton amour briller au travers de nos vies. Nous pensons à nos frères et sœurs aussi dans le monde, qui aujourd'hui payent un prix élevé pour confesser le nom de Jésus, mais qui proclament que ce sang versé sur la croix, aujourd'hui encore a un sens, aujourd'hui encore un prix. Dispose nos cœurs, Seigneur, ce soir, à pas juste adorer avec nos lèvres, pas juste des mots ou des chants ou de la musique, mais à t'adorer avec notre être tout entier. C'est seulement par ton sang. Si on peut élever nos voix tous ensemble et le remercier et dire merci pour ce sang, il représente tout pour nous aujourd'hui. Élevons nos voix et disons merci. Merci pour ce sang, merci pour le prix payé. Seulement par le sang de Jésus.